Comment est-ce que tu travailles avec les scénaristes avec lesquels tu collabores ? Avec David, c'est David, il m'écrit un texte. C'est comme un texte, il n'y a pas de page. Et je lui dis, démerde-toi, quoi. C'est un texte comme un texte de théâtre, c'est un long dialogue avec des didascalies, exactement. C'est une nouvelle dialoguée, en fait. Et après, je lis, le plus long à faire, c'est de se dire combien on va faire, la pagination, donc on ne peut pas annoncer de pagination tout de suite, donc ça me prend un peu de temps, c'est-à-dire, refaire les scènes, etc., imaginer, et en fait ça c'est vraiment de la mise en scène, en fait, j'ai un texte, je le découpe comme je veux, je tape là-dedans, et je change très très rarement des dialogues de David, il n'y a rien à toucher, ou rarement. Il est un peu bavard, je lui reproche. Tu les coupes. Des fois je coupe, parce qu'il est bavard, mais souvent c'est il a une écriture quelquefois un peu empoulée, oui. En fait, lui, il fait d'abord son texte, ouais. Et vous n'échangez pas pendant que vous êtes non. En train de dessiner. Non, on échange avant. On échange sur quoi sur qui on va travailler. Ça, on échange avant. Et après, une fois qu'on a défini notre... par exemple, Nerval, on devait traiter du romantisme français. L'idée du projet au départ, c'était le romantisme anglais, le romantisme allemand, le romantisme français, et on voulait terminer par le romantisme russe. On voulait faire un truc. Bien, on le fera sans doute pas, mais c'est pas grave. Mais à chaque fois, l'idée, c'est prendre pas forcément un des auteurs les plus célèbres et les plus reconnus. Pour Shelley, pour Percy, c'était évident. Pour Chamisseau, c'est un type pratiquement inconnu. Nerval est très peu lu, ou on connaît quelques poésies. On connaît le nom. Mais en fait, quand j'étais môme, on le disait encore un peu à l'école, mais je crois que c'est fini.